Une preuve de soutien dans la lutte contre le coronavirus en Afrique, l'aide médicale de la Chine est arrivée à l'aéroport international de Kotoka à Accra. Durant cette période difficile, le matériel médical est rare en raison de la forte demande. Par exemple, les masques et les combinaisons de protection à usage médical ne sont pas disponibles même si vous payez le prix le double ou le triple. Face à cet énorme défi, nous avons réussi à nous procurer ces fournitures et à les acheminer ici par vol non lisé, alors que tous les vols réguliers sont interrompus. Le don de la Chine inclut des tenues de protection et des respirateurs. Cela intervient alors que le Ghana intensifie le dépistage des personnes qui pourraient avoir été en contact avec celles qui ont été testées positives au virus. Nous essayons d'étendre la capacité de tester pour nous assurer que les résultats des tests ne tarderont pas plus longtemps. Les responsables de la santé indiquent que le soutien de la Chine pourrait aider le pays à lutter contre le virus. 17 autres pays africains bénéficieront de l'aide de la Chine et le Ghana supervisera la distribution des équipements de protection. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies et l'entrepôt de fournitures humanitaires des Nations Unies coordonneront également la distribution de fournitures médicales dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Nous espérons que l'entrepôt de fournitures humanitaires des Nations Unies au Ghana, chargé de la distribution des fournitures médicales aux 17 autres pays bénéficiaires, pourra le faire en un temps record pour aider ces pays à lutter contre cette pandémie. L'aide médicale provenant de la Chine sera distribuée dans les hôpitaux du Ghana et dans le reste des pays d'Afrique de l'Ouest.